Pour tricoter des chaussettes en toes up, c'est-à-dire de la pointe du pied vers la cheville, il nécessite un montage spécial, qui n'est pas le montage habituel sur une aiguille. Donc, pour ce faire, on prend des aiguilles double pointe. Avec le fil, on réalise un nœud coulissant, en prenant garde de laisser suffisamment de fil libre pour pouvoir monter toutes les mailles nécessaires. On passe le fil dans l'aiguille dans le fil. On serre bien, faut pas que ça se sauve. On passe l'aiguille de sorte que le fil libre soit en haut, le fil attaché à la pelote en bas. La deuxième aiguille vient se placer au-dessus de la première. On attrape les fils, le fil libre entre l'index et le majeur. Et l'autre fil par-dessus le pouce. Donc là, on a la première maille de montée. Pour la deuxième, on descend les deux aiguilles, on passe en dessous le fil dans le milieu. Deuxième maille de montée. On part au-dessus et on recommence par en dessous. Ce sera toujours le même mouvement. Là, on compte, on a deux aiguilles de chaque côté. Si votre patron vous dit de monter 10 mailles, il faudra qu'il y ait 10 mailles de chaque côté sur chacune des aiguilles. Donc ensuite, une fois que vous aurez monté toutes les mailles, bon là je m'arrête à 4, c'est juste pour vous montrer, on effectue une rotation aux aiguilles, dans ce sens-là. Et après, on va pouvoir tricoter l'aiguille du dessus avec le fil qui est lié à la pelote. Vu que pour les chaussettes, on travaille en circulaire, il faudra répartir une partie des mailles de cette aiguille supérieure sur deux aiguilles. Celle de l'aiguille inférieure, on les laisse toutes sur la même. Et on aura ainsi au-dessus le dessous du pied. Et cette aiguille-là, ce sera le dessus du pied.